Maintenant, je vais faire la suite. Alors. Ils nous font tout plein de ronds-points, là où il n'y en a pas besoin, c'est pour emmerder le peuple. Ils nous font souffler dans le ballon, comme si on était tous des pochetrons, c'est pour emmerder le peuple et ramasser du pognon. Avec leurs jumelles radars, ils nous prennent pour des chauffards, c'est pour emmerder le peuple. Et quand on sait que tout ça, c'est qu'une histoire de quota, c'est pour emmerder le peuple et ramasser du pognon. Avec leur monnaie en euros, ça n'a pas rempli nos frigos, c'est pour emmerder le peuple. L'ouverture des marchés, c'est surtout pour leur porte-monnaie et pour emmerder le peuple et ramasser du pognon. Le réchauffement climatique, oui, d'accord, oui, ça existe, mais pour emmerder le peuple, faut réparer la couche d'ozone en payant la taxe carbone. Qui c'est qui paye? C'est le peuple, et il ramasse nos pognons. Encore une chose qu'ils interdisent, c'est faire pousser du cannabis. C'est pour emmerder le peuple. Quand aux antidépresseurs, là, t'as le droit, c'est dans les mœurs. C'est pour emmerder le peuple et ramasser le pognon. Puis il y a la sécurité, c'est pour votre sécurité, pour sécuriser le peuple. Puis la sécurité de la sécurité pour plus de sécurité. Ah, c'est tout ce que le peuple se sent en sécurité. Alerte, alerte, va la grippe, celle qui nous vient du Mexique. Il faut faire peur au peuple. Car au virus, mes petits Français, en plus, ils viennent de l'étranger. Il faut vacciner le peuple et ramasser du pognon. Quand la gauche critique la droite, la droite critique la gauche, c'est pour promener le peuple. Alors la gauche recritique la droite et la droite recritique la gauche, c'est pour emmerder le peuple et s'en mettre plein les poches. Entre le radar automatique et le QI de certains flics, y'a pas grande différence. À quand le jour où c'est pas encore, avec le bug c'est bon d'accord, ça soulèverait la France. Et on remontrait leur pognon. À quand le jour où c'est pas mort, avec le bug c'est bon d'accord, ça soulèverait la France. Et voilà la révolution. Changeons de crèmerie, nous serons dans la salle de l'œuvre.